l'edizione 1400-1569, ex loco correzione di ex quo, e poi sicut pro parte invece di sicue pro parte del codice A. Illanovic metteva così definitivamente un nome sul primo correttore di A, non sempre ben identificato dagli editori di Livio nell'edizione di Oxford, come si vede appunto negli apparati dei numeri 2 e 3, e poi li potremo guardare in modo un po' più approfondito dopo. E egli individuava in Petrarca il legame già intuito dagli editori oxoniensi tra il codice A e l'edizione del Bussi. Ho potuto a mia volta individuare una quarta correzione del Petrarca, finita nell'editio Princeps, cioè sotto il numero 4, come vedete, questo Ager Opul Eisque Inhabitabantur, che vedete anche nella editio Princeps, che ho potuto ricavare sul web. Invece non ho potuto avere l'edizione di Venezia, come si vedrà dopo, mostrando ancora una volta l'interesse che si avrebbe nel raccogliere in un'edizione tutte le correzioni di Petrarca al codice A, per poter poi misurare la fortuna non in modo sporadico come si può fare oggi, ma in modo veramente scientifico. Simile lavoro è stato condotto appunto da Mariangela Regoliosi a proposito delle correzioni di Valla a Livio, raccolte nel quarto libro dell'Antidotum in Facium. Infatti, nella sua edizione, Mariangela Regoliosi pubblica le 220 circa emendationes in Titum Livium che Valla fece ai libri 21 a 26 della terza decade sul codice A, passato poi nelle sue mani, e questo prima del 1444, come ci insegna Mariangela Regoliosi, cioè prima della polemica con il Panormita. Lo scopo dichiarato di Valla nello stendere le emendationes era quello di rimediare alle correzioni che il Panormita e i suoi amici Bartolomeo Faccio, Giacomo Curro e Antonio Cassarino facevano via via al cosiddetto Codex Regius, che cito qui come CR, durante l'ora del libro alla corte di Re Alfonso. Esaminando a sua volta la fortuna editoriale delle emendationes a Livio, la Regoliosi, dopo aver scartato l'editio Princeps perché ritenuta, cito, quasi del tutto priva di correzioni di Valla, aveva identificato una ventina di luoghi corrispondenti a correzioni valliane nelle due edizioni successive, cioè nell'edizione di Gian Antonio Campano, uscita a Roma da Ulrich Hahn nel 1470, e in quella uscita a Venezia da Wendelin von Speyer lo stesso anno e ristampata con la prefazione del Bussi. Cito uno tra gli esempi pubblicati dalla Regoliosi sotto il numero che sarebbe 4 bis a pagina 2, è dunque l'inizio famoso, la famosa correzione valliana all'inizio del libro 22, Iam Ver Appetuat. La studiosa sottolineava la difficoltà di poter stabilire se Campano, pur non citando Valla nella sua prefazione, avesse avuto in qualche modo accesso alle sue emendationes direttamente o adoperando un codice liviano recante tali correzioni, oppure se l'indefesso correttore di manoscritti classici nella stamperia del Gallus
non avesse piuttosto emendato i passi citati o pendenti. La stessa domanda si poneva per la terza edizione. Finiva poi qui l'indagine sulle stampe, che ho voluto a mia volta riprendere, prima per sapere se Petrarca avesse influenzato anche la seconda e la terza edizione, e di fatto, riprendendo i tre esempi citati da Villarvić, che sono alla pagina 2, ho notato che in due casi, il primo e il terzo, le edizioni seguivano Petrarca piuttosto che Valla. Dunque il primo, il pugnatum est, seguono Petrarca, l'esempio 2, ex quae, è la correzione valliana, dunque lì seguono Valla. E invece nel terzo esempio che ho aggiunto a matita, a penna, sicut pro parte si ritrova nelle edizioni invece del ique pro parte del Valla. Ho cercato poi di sapere se per caso ci fosse qualche influenza nelle stampe del terzo correttore di Livio, e cioè del Panormita. E di fatto l'esempio 5 in alto, lì che ho aggiunto anche, indica che le stampe hanno seguito la correzione erbidi terreni e raparum di Panormita piuttosto che l'erbidum tenerum di Valla e il raporum. Altre volte invece si è notato, come nell'esempio 6, che le edizioni seguono al contrario Valla contro Panormita. Appunto questo parentibus è stato scelto, è stato presente nelle stampe, e il meis quibus te modo anche lì nei passi citati. Ma la sorpresa viene da alcuni esempi che presentano nella stessa frase correzioni sia di Panormita che di Valla, come lo dimostra l'esempio numero 7. Dunque il plus appare, correzione del Panormita al col di Cereggio appare nelle edizioni, invece scelgono il Se Libras di Valla e Milite seguono a questo punto Panormita, che insomma considerato non emendabile il codice regio. Dunque questo è un caso, come si può vedere, assai confuso, e tale confusione si è in qualche modo anche riportato nell'apparato critico dell'edizione di Oxford, che potete vedere alla pagina 4, che attribuisce al Codex Regius la lezione plus invece di prius, mentre plus è correzione di Panormita in faccio, come poi lo indica nell'apparato. Attribuiscono a Faccio e a Panormita la lezione in milites, mentre si vede che è in milite, poi lo dice anche Valla nelle emendationes, e non segnala Valla per la lezione Se Libras, per cui insomma una confusione che indica, che rivela insomma che anche se parziali, questi confronti rivelano che la nostra conoscenza della fortuna delle correzioni umanistiche nelle prime stampe di Livio è ancora poco precisa, e che bisogna condurre indagini sistematici per arrivare a qualche conclusione. Ho cominciato per conto mio a esaminare l'insieme delle 220 emendationes di Valla e la loro presenza nell'editio Princeps, e
la situazione è effettivamente molto diversa di quello che finora si credeva. Per quanto riguarda il solo libro 21, ora non vi do tutti i calcoli, però ho identificato 14 luoghi simili alle correzioni valiane, che non consentono più di dire che l'editio Princeps è quasi del tutto priva dell'influenza di Valla. Ho notato en passant che l'edizione di Oxford, seguita da quella delle Belle Lettres, attribuisce a torto a Bussi la correzione Imperatori, il 21-14-2, Bussi che invece ha l'Imperator, che è quello del codice Regio, mentre si tratta di una correzione di Valla. E al contrario, come già sottolineato da Mariangela Regogliosi, l'edizione di Oxford, e questo è l'esempio 8, attribuisce questa volta, dunque il 21-56-1, a Valla la lezione Aditus quoque nobus e la accoglie come buona, mentre questo novus si tratta di una lezione tramandata per la prima volta dall'editio Princeps. Ecco, questo tanto per farvi capire un po' la difficoltà. Tornando per concludere al caso più insolito della concomitanza di lezioni valiane e del Beccadelli, addirittura nella stessa frase, come si è visto nell'esempio 7, questo caso deve essere messo in legame, credo io, con la scoperta di Mariangela Regogliosi di un gruppo di codici formanti una famiglia attorno al codice oggi a Valenza e che presentano appunto in modo concomitanti sia correzioni dette valiane che correzioni attribuite al Panormita. Così anche il manoscritto identificato copiato da Curlo dalla Mariangela, il codice che Curlo copiò per l'amico genovese Antonietto Grillo e che porta anch'esso integrato nel testo copiato sia correzioni di Valla che del Panormita. Ecco, quest'amico del Panormita si è dato così, diciamo, la libertà di scegliere a volte lezioni di Valla quando apparentemente gli sembravano migliore, più stupendo. L'ha mostrato Mariangela, in margine di questo codice ci sono pure delle note del Beccadelli. Ora alcune correzioni comune al Panormita e alcuni codici di questo gruppo appaiono appunto nelle stampe e nello stesso modo si trovano correzioni di Valla che sono comuni a alcuni di questi codici e che tornano nelle stampe. Ecco ad esempio l'esempio 6. Il parem appare nel codice ambrosiano, eccetera, e poi nell'esempio 5 si ritrovano anche lì queste lezioni. Sicché si può pensare che l'indagine approfondita della fortuna delle correzioni umanistiche al testo di Livio permetterà di individuare in questo nucleo codici alcune delle fonti manoscritte delle primissime stampe all'opera liviana. Grazie. Thank you very much indeed, Jeanette. I'm glad to be brought back after about 25 years and the fascinating problems of this manuscript. More about it perhaps in the discussion. But
I'm delighted that someone is looking at the corrections in the Holly and Livy with fresh eyes. That's what we've been offered by Gina. Could I invite François Claude-Nicolet to come and give us his paper? And we'll discuss both papers as usual after the second one. The title of François' paper is Le livre d'œuvres du cardinal Georges d'Armagnac, Chantilly vous est fondé sans deux. And when the machinery is ready, the short appears is ready. Georges d'Armagnac, qui est né vers 1501 et mort en 1585, est un personnage peu connu en dépit du rôle politique et diplomatique de premier plan qu'il a joué en France et en Italie pendant une cinquantaine d'années, de 1536 à sa mort en 1585. Voici son portrait par le Titien, en compagnie de son secrétaire Guillaume Filandrier. Il est le dernier descendant par bâtardise de l'illustre maison comtale d'Armagnac, et il était devenu vers 1520 l'homme de confiance de Marguerite d'Angoulême, sœur de François Ier, qui s'apprêtait à devenir reine de Navarre, et donc qu'on connaît plus souvent sous le nom de Marguerite de Navarre. C'est à elle qu'il a dû l'essentiel de sa carrière. Elle lui a obtenu un certain nombre d'abbayes en commande, puis l'évêché de Rodez en 1529, et surtout, elle l'a recommandé à son frère, François Ier, qui cherchait un diplomate de confiance à envoyer en Italie. Et c'est ainsi qu'il est devenu ambassadeur des Valois à Venise de 1536 à 1539, puis à Rome par intermittence entre 1539 et 1560. C'est encore à la demande de Marguerite de Navarre qu'il a été élevé à la pourpre cardinalis le 19 décembre 1544 par le pape Paul III. Il est devenu alors un personnage considérable. Il a reçu la charge de conseiller d'État en France. Il a été élevé à l'archevêché de Tours en 1548, à celui de Toulouse en 1562. Il est devenu co-légat, puis légat d'Avignon et finalement archevêque de cette même ville en 1577, avant d'y mourir en 1585. Son rôle politique a été très important, d'abord en tant que diplomate à Rome, où il a servi les intérêts français jusqu'en 1560, ensuite en France, où ses titres de légat d'Avignon faisaient lui le représentant naturel du pape. Dans la France des guerres de religion, il a été un membre influent du parti catholique, comme prédisposait d'ailleurs la grande amitié qui le liait au connétable de Montmorency. Il a participé aux guerres civiles des années 1560, tout en faisant figure de modéré au sein du parti catholique, cherchant à maintenir en particulier une certaine forme de dialogue avec les chefs protestants, notamment avec Jeanne d'Albret, la mère d'Henri IV, qui se trouvait être la fille de Marguerite de Navarre. Aussi bien en Italie qu'en France, Georges d'Armagnac a été un protecteur des arts et des gens de lettres, notamment de son précepteur, l'helléniste Pierre Gilles, de l'architecte bolognais Sébastien Osserio, et du latiniste et historien de l'architecture Guillaume Filandrier, celui-là même qui est représenté à son côté sur le portrait du Titien. Parmi les protégés de ce puissant mécène, figurait aussi un personnage beaucoup plus obscur, dont le nom même pose problème, et qui lui a dédié en 1543-1544, dans des circonstances que j'espère pouvoir expliquer, et juste avant son accession à la pourpre cardinalice,
Le curieux manuscrit, richement enluminé, qui est maintenant conservé à Chantilly sous la cote 102, et auquel je voudrais consacrer cette étude. Avant de m'intéresser au contenu textuel et au riche programme iconographique de ce volume, je voudrais revenir sur l'identité de son donateur et principal artisan. Sur le colophon du manuscrit qui se trouve au dernier feuillet, il se nomme lui-même F. Guidonius Britannus. On ignorerait la forme vernaculaire exacte de son nom si le même personnage n'avait pas laissé quelques autres manuscrits du même type, offerts à Georges d'Armagnac ou encore à Claude d'Urfé, un autre grand mécène de la Renaissance, proche de François Ier, proche d'Henri II aussi, qui l'ont chargé de missions diplomatiques en Italie lui aussi. L'un de ces volumes, un manuscrit de San Marino de Californie, qui est un livre d'heures copié à Rome en 1549 pour Claude d'Urfé, nous livre la clé du problème, car le donateur l'intitule ainsi, en français cette fois, « Heure de Notre-Dame à l'usage de Rome, écrite au dit lieu, l'an 1549, par maître Franck, c'est-à-dire François Guidon. » Le donateur s'appelait donc François Guidon, et le manuscrit de San Marino permet encore de lever l'ambiguïté de l'adjectif « Britannus », qui pourrait, à vrai dire, désigner aussi bien un Britannique de Grande-Bretagne qu'un Breton de Petite-Bretagne, c'est-à-dire de Bretagne française, du moins sous la plume d'un classicisant. En fait, travaillant pour de grands seigneurs français et copiant certains de ses manuscrits en français, Guidon était très probablement un Breton. Et s'il se qualifie de Britannus et non de Galmus, c'est simplement que l'union de la Bretagne au royaume de France était encore très récente, puisqu'elle a été définitivement entérinée que par le traité d'union de 1532. Guidon est à la fois le compilateur, le copiste, le donateur du manuscrit. Il n'est pas en revanche son enlumineur, comme la codicologie comparée a permis de le prouver. J'en viens à mon second point, c'est-à-dire le contenu textuel et l'humanisme de Guidon. La nature même du manuscrit n'est pas évidente. On le qualifie parfois de livre d'heures. C'est un abus de langage. Et un abus de langage, je dois l'avouer, que j'ai moi-même commis en annonçant le titre de ma communication. Sur le frontispice, on lit un titre beaucoup plus exact, qui est « El Quiridium Orationum Meditationum et Psalmorum Corunam ». C'est donc un livre de spiritualité à usage personnel, et non un livre liturgique. Néanmoins, on ne peut s'empêcher de remarquer que la présentation matérielle et l'organisation du volume rappellent de près celle d'un livre d'heures, du moins dans la première partie du manuscrit, c'est-à-dire les folios 1 à 61. On trouve en tête du manuscrit, sur à peu près 40 folios, c'est-à-dire un tiers du manuscrit, un calendrier liturgique, richement enluminé, comme dans les livres d'heures les plus précieux. Ici, l'enluminure allégorique du mois de janvier, avec la figure tutélaire de Janus. Après le Paternoster et l'Ave Maria, donnés en grec avec leur traduction latine, ce qui confère un caractère rigoureusement humaniste au recueil, quelques prières et psaumes encore, on trouve enfin, au folio 47 à 61, entrecoupé d'oraisons, les sept psaumes pénitentiels, qui figurent souvent dans les livres d'heures, et exactement dans, rangés dans le même ordre. Tout se passe donc comme si ce manuscrit, conçu pour la méditation personnelle et non pour un usage liturgique, puisqu'on en a soustrait la liturgie des heures à proprement parler, tout se passe donc comme si ce manuscrit se coulait dans le moule médiéval qui est celui du livre d'heures. La deuxième partie du manuscrit, les folios 61 à 112, pourrait pour sa part ressembler à un manifeste à la gloire de l'humanisme chrétien, latin et français. On y trouve, au milieu de nombreuses péricopes vétérotestamentaires et d'oraisons diverses, une série d'hymnes latines et de poèmes religieux, aussi bien latins que français, qui témoignent d'une culture très raffinée.
Parmi les poèmes latins figure sous le nom de Plaudien le De Salvatore, œuvre authentique de Plaudien, encadré de deux poèmes de l'Appendix Claudianea, Calaus Christi, souvent attribué à Bérengaude, et Les Miracles Christi. Guidon les a copiés en introduisant quelques variantes sur l'une des trois seules éditions de Plaudien, toutes très rares, qui à cette date livraient ces textes ensemble. À cela s'ajoute une hymne néo-latine, le Carmen 16 de Pic de la Mirandole, et on trouve enfin une hymne dont l'incipit est O Deus o Celi Factor Nostrique Redemptor, et qui n'est autre qu'un extrait du livre 12 du Baldus, publié en 1517 par Teofilo Folengo, qui, plus connu sous son pseudonyme Merino Boccaio, est le père du roman macaronique qui devait affronter si profondément Rabelais. Il s'agit donc d'un texte dont on ne s'attendait à vrai dire aucunement à trouver un excerptum dans le livre de spiritualité d'un prélat. Quant aux quatre textes français qui figurent dans le manuscrit, ce sont tous l'œuvre de Clément Marot, justement mort en 1544, au moment même où Guidon achevait le manuscrit. Je ne vais pas les détailler, mais il s'y trouve le Paternoster en De Gecilla, que Marot avait composé en marge de son sautier huguenot. C'est un des textes les plus emblématiques de la Réforme française, et le fait que ce texte se trouve dans un livre de la bibliothèque personnelle du très catholique Georges d'Armagnac montre à quel point les liens entre humanistes catholiques et réformateurs étaient encore solides pendant toute la première moitié du XVIe siècle, tant qu'il ne s'agissait pas de parler de dogme, voire... Je voudrais donc dans un troisième temps, et ce sera le cœur de ma communication, revenir sur le programme iconographique et l'exaltation de la figure de Georges d'Armagnac, ce qui me permettra de dire quelques mots des 11 épigrammes de Guidon, qui sont inédites, mais qui sont parvenues jusqu'à nous grâce à ce manuscrit, et dont je propose une édition dans le handout qui a été distribué. J'espère que tout le monde a pu en récupérer un exemplaire. Le programme iconographique mis à l'œuvre dans le décor enluminé du manuscrit est tout entier voué à la célébration du dédicataire sur le mode de l'emblème et de l'allégorie. Il comportait primitivement 17 enluminures, dont 12 étaient les représentations allégoriques des mois de l'année. 5 de ces peintures ont disparu. Il s'agit des allégories des mois de février, juin, juillet, août et novembre. Une d'entre elles n'a jamais été réalisée. Il s'agit du portrait du prélat au folio 2. On voit bien ici l'espace laissé vide pour le portrait, avec un report de l'enluminure en vis-à-vis. L'épigramme qui est ici annonce, effigie hac, elle annonce le portrait, mais la réalisation en a été laissée libre au dédicataire et n'a finalement jamais été mise au point. Sur ces 17 enluminures, toutes, à l'exception de 3, avaient un caractère allégorique, païen ou profane. Presque toutes étaient des emblèmes, certaines au sens le plus strict du mot, c'est-à-dire, selon la définition de l'emblème à triplex telle qu'elle a été fixée par la critique allemande dans les années 60, des dispositions associant sur une même page trois éléments, une inscription qu'on appellera le motto en Italie, la devise en France, une représentation figurée, et enfin une subscriptio, c'est-à-dire l'épigramme. En l'occurrence, il y a tout lieu de croire que l'auteur de ces épigrammes est François Guidon lui-même, tant le ton est celui d'un éloge personnel. Ces petits poèmes sont à la fois l'expression de la flagornerie la plus convenue, et d'une préciosité très raffinée, que le copiste-poète emprunte d'ailleurs souvent à Ovid, notamment un certain nombre de formules provenant des fastes qui lui fournissent une inspiration toute trouvée pour les subscriptiones des allégories des mois de l'année. Après le frontispice, le volume s'ouvre sur une double page, au folio 1 verso 2,
où en face de l'espace vide laissé par le portrait, on trouve les armes du prélat, exécutées d'ailleurs de manière légèrement fautive, puisque l'écu d'Armagnac est un écartelé au premier et quatrième quartier d'argent portant au lion de gueule. Je parle sous le contrôle de mon ami Michel Popov. Ici, le lion de gueule a été réalisé en sable. Deuxième et troisième quartier de gueule portant au léopard lyonnais d'or, ça a été représenté de manière à peu près précise. Dans l'épigramme, qui est le numéro 1 dans les handouts, Widon se livre à une interprétation à la fois érudite, audacieuse et très flatteuse de ce blason, en une simplicis qui n'a rien à envier à la rhétorique encomiastique de la seconde sophistique. En voici le principe. Hercule a pour emblème la peau du lion de Némée, qu'il a tué, le cardinal a plus. Il a en effet pour meuble de ses armes un lion entier, et non pas seulement la peau du lion. À quoi s'ajoute en plus un léopard? Il aurait donc quatre fois plus qu'Hercule, évidemment. Il a fait beaucoup plus que les travaux d'Hercule. Mais les deux compositions les plus complexes, les plus abouties et probablement les plus subtiles qu'on trouve dans ce volume sont assurément celles de la double page suivante, au folio 2, verso 3. Ce sont des emblemata triplicia au sens le plus strict du terme. La première représente une allégorie de la France, sous les traits d'un vieillard chenu, allongé, accoudé, qui fait un peu penser à une divinité fluviale, et il tient dans sa main une corne d'abondance, d'où s'échappe un bouquet de lys, symbole évident de la monarchie française, et un bouquet de marguerites, allusion à peine voilée à Marguerite de Navarre. L'épigramme numéro 3 confirme cette interprétation. Lilia margaridem geminos per Gallia flores, diligo margaridem viria magna colo. Elle rappelle que si le futur cardinal emploie son zèle à la grandeur des lys de France, son affection la plus profonde va à la reine de Navarre. On ne peut, en passant, s'empêcher de remarquer que la représentation de ce vieillard allongé se coule dans un moule iconographique qu'un œil du XVIe siècle ne pouvait que percevoir, celui de la représentation de Jessé, ancêtre du Christ selon la chair, que l'on montrait souvent couché depuis le XIIIe siècle, accoudé lui aussi, tandis que l'arbre généalogique de sa descendance, lui, sort du ventre en une courbe qui, depuis le XVe siècle, était souvent légèrement incurvée. Ici un exemple pris un peu au hasard dans un manuscrit flamand du XVe siècle. Il me semble que cette courbe de l'arbre généalogique évoque de près la corne d'abondance que l'on voyait dans le manuscrit du cardinal d'Armagnac. Continuons sur cet emblème. Le dénué sort Dieu le Père, naturellement barbu, coiffé de la tiare pontificale, évidemment, on est à Rome, et tenant dans la main un phylactère portant la devise ou motto « Perpetuo florebunt ». Évidemment, la première interprétation obvie que l'on peut donner de cette devise concerne les lys de France et la marguerite de la reine de Navarre, auxquelles le ciel promettrait l'éternité. Mais n'y a-t-il pas d'autre façon possible de comprendre cette inscription? Si l'on regarde l'encadrement de la miniature, on remarquera qu'il comporte dans des cartouches quatre initiales qui d'ailleurs se retrouvent tout au long du manuscrit. L'une est le G, initiale de Georges d'Armagnac, surmonté comme il se doit d'un chapeau d'évêque simplifié. En vis-à-vis, dans l'encadrement supérieur, on trouve un M, surmonté d'une couronne royale, ce qui est évidemment l'initiale de Marguerite de Navarre. Et sur les deux autres côtés, se trouvent un P et un F, qui, à première vue, semblent être le rappel des deux mots de la devise, et qui d'ailleurs le sont assurément. Mais le fait que ces deux capitales soient surmontées elles-mêmes d'une petite couronne invite à penser à des souverains de l'époque qui auraient pu avoir ces deux lettres pour initiales. Et il n'y a pas besoin de chercher très longtemps pour en arriver à François Ier et au P du pape Paul III. Il s'agit évidemment des deux monarques dont Georges d'Armagnac servait les intérêts, et c'est donc aussi à leur gloire que la devise promet l'éternité.
Peut-être la formule, là c'est une hypothèse que j'avance, peut-être la formule perpetuo florebunt, qui est une devise extrêmement rare, avait-elle été choisie par le prélat comme symbole de son action diplomatique, dont le but était d'assurer la concorde entre le pape et le roi, entre le P et le F, perpetuo florebunt. En face de cette enluminure, s'en trouve une autre, d'apparence plus simple, qui représente une gerbe de blé retenue par un phylactère portant la devise Eximanicus repleo, vidé, je remplis. Il semble s'agir de l'emblème et de la devise personnelle de Georges d'Armagnac. On la retrouve en effet sur beaucoup de manuscrits de la bibliothèque personnelle de Georges d'Armagnac, ici un manuscrit de la bibliothèque d'Avignon. Dans un encadrement, on retrouve la même devise et le même emblème, la gerbe de blé. L'un et l'autre évoquent une généreuse abondance, et c'est en effet l'interprétation qu'en donne le poète dans l'épigramme numéro 4, Agricolis gestant et non sibi grana manipri, si cabet ipse ipsalis non sibi presu lopes. Il est très probable que ces vers aient été influencés par le poème apocryphe, fort célèbre depuis le XIIIe siècle, que Saline Bélé des Adam prête à Virgile, dont les vers auraient été usurpés par un rival et qui se serait vengé en une épigramme assassine. Posego versiculos feci tulit alter honores, si quos non vobis nidificatis aves, si quos non vobis quelle rafertis aves, etc. Cela évoque de près la formulation sic abet ipse alis non sibi, etc. Quoi qu'il en soit, le poète rappelle donc à son protecteur que ses richesses sont faites pour être partagées en un appel à la générosité qui s'approche de près de l'impudence. Mais l'essentiel du corpus emblématique du manuscrit était constitué des 12 allégories des mois, qui, pour autant qu'on puisse en juger, maintenant que 5 d'entre elles ont disparu, étaient toutes composées sur le même modèle. Il ne s'agissait pas d'emblemata triplicia, puisqu'elles étaient privées de devises. L'imago était systématiquement composé de 3 éléments. Dans le coin supérieur gauche, une divinité du panthéon gréco-romain. Dans le coin supérieur droit, donc ici Mars, pour le mois d'octobre, dans le coin supérieur droit, le signe du zodiaque correspondant au mois, et au centre de l'image, une scène historiée faisant systématiquement intervenir une divinité sous la protection de laquelle on souhaite placer le mois, ici Bacchus, pour le mois d'octobre. De petits cartouches, situés au sein des encadrements, donnent une légende pour faciliter l'identification des personnages. On lit ici Mar pour Mars, on lit Lib pour Librae, etc. Bacchus. Quant aux épigrammes qui accompagnent ces allégories, elles sont de deux types. Certaines sont purement élogieuses, comme celle du mois de mars, c'est le numéro 6, ou celle du mois d'octobre, le numéro 10, particulièrement flagorneuse, puisque le poète propose que l'on donne le nom de son protecteur au mois d'octobre. Mais la plupart d'entre elles sont plutôt des vœux adressés par le poète à son protecteur et l'invitant à jouir des bienfaits de la nature. En janvier, comme ici, c'est l'épigramme numéro 5, on lui souhaite une bonne année sous le patronage de Janus, Janne Bifrons, a ponenorum feliciter annum. On l'invite à profiter des fleurs en avril, c'est le numéro 7, de la fraîcheur des bois en mai, numéro 8, du vin en septembre, numéro 9, des banquets en décembre, numéro 11. Tout cela évoque en fait les vœux de bonne année que l'on forme au nouvel an. Et cela se comprendrait parfaitement si le manuscrit était un cadeau offert par Widon à son protecteur en échange d'étrennes. Cela expliquerait aussi les incertitudes que l'on observe quant à la date du manuscrit, puisque le frontispice donne la date de 1543, tandis que le colophon donne celle de 1544. Le volume aurait probablement été réalisé en 1543, pour être offert en 1544 et utilisé par le dédicataire cette année-là. Quelques mots de conclusion. Je dirais que le style encomiastique de François Widon peut sembler très ampoulé, mais il répondait indiscutablement au goût de l'époque. Et surtout, il était très approprié au discours d'un artiste qui vient présenter ses vœux à son mécène, probablement dans l'attente des traînes substantielles. Et le poète qui fait montre ici d'une culture humaniste particulièrement riche pousse très loin dans ce manuscrit l'art de l'emblème, de la devise et de l'épigramme qui était si cher à la Renaissance et qui continuera de régner sur le style allégorique européen
jusqu'au début du XVIIIe siècle. Grazie. Very much. I'm always terribly jealous of people who can talk about manuscripts at the Musée Condé in Chantilly because I've never been there. And this is a manuscript produced nearly 100 years after the invention of printing, beautifully illuminated all the way through. It's a salutary reminder that it's a big mistake to put a sharp dividing line between the world of manuscripts and the world of printed books. Furthermore, he showed us one slide in which we had a kind of volume of the Loeb Classical Library with rude text on one side and the translation on the other. So thank you very much for a splendid paper. Jeanette, could I invite you to come back to the table for the discussion? I think we have about a quarter of an hour for discussion before another break. If people from the back of the room could stand up, if they have loud enough voices, it would circumvent the problem of the microphone. But the microphone is here if anyone feels the need of it. So the floor is open for any questions or observations. Within reason. Des remarques qui s'adressent au sujet des armoiries d'Armagnac. Elles sont fautives, c'est exact, mais cela prouve surtout une évolution de l'héraldique au XVIe siècle, où, au fond, les critères héraldiques de base sont de plus en plus souvent oubliés. Et le lion, qui devrait être de gueule, devient plus ou moins noir, mais cela peut être surtout une mauvaise représentation du pourpre. Pendant très longtemps, le pourpre n'a pas eu cette couleur rougeâtre, violette que l'on connaît maintenant. C'était un mélange de toutes les couleurs, le pourpre. Et donc c'était souvent un gris sale. Donc il ne faut pas s'étonner si ce n'est pas une erreur. Par contre, là où il y a réellement l'erreur, c'est sur le fond qui est plutôt bleuté, azuré, alors qu'il devrait être d'argent. Là, oui, le reste est parfaitement cohérent. Mais donc, on ne peut pas parler d'armoirie fautive. Il y a une dérive où l'héraldique cède petit à petit la place à l'emblème. Et donc là, on n'est plus dans l'héraldique médiévale, on est dans l'héraldique du XVIe siècle, qui n'est plus une héraldique guerrière, mais plus une héraldique de livres et de petites cuillères. Donc, moi, je pense que ce que la prouve, c'est un document intéressant en ce sens. Merci de me l'avoir montré. Oui, ben effectivement, je pense que il y a un certain nombre de problèmes dans ces armes. La couleur du lion, effectivement, le fond argenté qui ne l'est pas vraiment. J'aurais pu parler aussi du meuble. Le léopard lyonnais, en fait, n'en est pas tout à fait un. C'est plutôt une sorte de panthère ou peut-être de lionne, je ne sais pas. De toute façon, je pense que ça doit être dû à la transmission des informations, puisque le donateur du manuscrit, qui est aussi le copiste, était français. Le dédicataire était français. Mais on a un certain nombre d'indices dans le manuscrit qui nous indiquent que l'enlumineur était italien. On a dû lui transmettre par écrit le blason, c'est-à-dire la description verbale des armes, et il devait s'y trouver un certain nombre de termes qu'il ne comprenait pas. Peut-être le mot « gueule » qui désigne le rouge en héraldique, peut-être aussi, et surtout je pense, l'indication du léopard lyonnais, parce que c'est quand même un meuble assez particulier. Et donc il a dû essayer de représenter ce qui à ses yeux devait être un léopard, c'est-à-dire quelque chose qui dans la nature ne ressemble pas vraiment à ce qu'il doit être en héraldique. À préciser, s'il est italien, dans l'héraldique italienne, on ne trouve pour ainsi dire jamais de léopard lyonnais ou de lion léopard d'ailleurs.
you if there are no more questions or observations. J'aurais simplement aimé savoir si les différents textes dont tu as parlé, et notamment les macaroniques, étaient précédés de textes liminaires ou si les textes se suivaient à la file sans explication de la composition de l'ouvrage. Il n'y a effectivement aucune explication de la composition de l'ouvrage parce que ce manuscrit veut véritablement se couler dans le moule médiéval du livre d'heures où il n'y a jamais de précision sur la nature des textes. Hein, on trouve lectio, psalmus, ce genre de choses. Ça ne va pas plus loin. On a donc ici des textes qui en fait, se succèdent en alternance généralement. Psaume, oraison, hymne, oraison, macaronique, oraison, etc. E una domanda per la professoressa Paminai. Ma di Petrarca, il Livio, quello importante, quello che lui utilizza quando compone le proprie opere nella maturità, non è questo, è l'altro, il Parigino Latino 5690. Questi interventi filologici ci sono anche nell'altro di Livio di Petrarca. Nel Parigino, quello di... No, no, perché il disagio di chi prende in mano l'Harley è che fa sempre una gran fatica a capire quale Petrarca. Perché è un Petrarca, sarebbe Petrarca giovane, dove praticamente non abbiamo altri confronti grafici. Il Petrarca anni 50 abbiamo un sacco di manoscritti e lì anche il non paleografo ci arriva. Di questo qua giovane è un problema, uno lo apre e dice boh, questo qui potrebbe essere Petrarca. No, se ci fosse, se ci ha ragionato sul testo in certi punti, potrebbero esserci gli stessi interventi sull'altro, potrebbero, anche perché Petrarca è uno che quando il testo, anche se era un po' corrotto, lo capiva, non è detto che stesse lì a fare l'intervento. Una concorrenza attribuita al Petrarca proprio per dire che tutto il lavoro c'è ancora da fare, tutte queste domande sono domande che possono soltanto ricevere delle risposte parziali, quale sia la data esatta, quali siano gli interventi. Devo dire, devo confessare che io sono partita, perché è un punto di vista particolare, dalle stampe. Sono partita dalle stampe perché non basta ovviamente, però credo che le stampe possano anche dare qualche informazione. E poi sono partita proprio da questi tre luoghi del Milanovic che lo fanno dire che c'è un'influenza, per mostrare che tre è poco, quattro è poco, quale sia la mano, le date. Era proprio un lavoro, ma interessante, proprio per dire che sono delle domande importanti, però finché questi lavori, e poi io sono partita da Valla in realtà, però finché il Petrarca non è chiarito, poi dopo anche Vanna, perché come sa, le emendazioni sono una cosa, le correzioni reali di Vanna sul codice A a volte non corrispondono con quello che ha messo nelle emendazioni, per cui cos'è prima, dopo. Più che altro ho voluto buttare di nuovo, dopo tutti questi anni, questi problemi. Però ovviamente nell'introduzione quello che ho detto come progetto è che bisognava
studiare la fortuna sia nelle stampe che nei codici, cioè copiati o adoperati in quei periodi. Parigi entrerebbe, però purtroppo sono molto ignorante della problematica dei codici, però io spero che molti giovani si metteranno a fare questi lavori. Professore, no, per proseguire sulla pista aperta da Angelo Piacentini, c'è un nesso di problemi molto gravi, molto complicati. Come sappiamo che le postine trecentesche nella Leão sono di Petrarca, l'attribuzione è dello stesso Palla, lo dice, e tutti l'hanno accettato, ma parecchie proposte di identificazione di mani fatte nel 400 non sono giuste. Abbiamo ancora in Lorenziana codici attribuiti da Leonardo Bruni alla mano di Petrarca, ma gli specialisti moderni della mano di Petrarca sono in grado di dire che non sono della mano di Petrarca. Dunque Lorenzo Balla come sapeva che quella mano era la mano di Francesco Petrarca? Come Angelo ha detto, per il periodo al quale avrebbero attribuite quelle postille nella vita di Petrarca, abbiamo pochissimi esempi sicuri della mano di Petrarca. Dunque quasi tutto il materiale appartiene agli anni 40-50 e poi del Petrarca. Dunque bisognerebbe ricominciare da niente, secondo me, studiando questo alleato. Poi per i contributi di Palla c'è sempre il problema della direzione delle lezioni che si trovano in due fonti. Palla ha attinto al manoscritto precedente sue proposte, o sono congetture di Palla passate a vari codici. E c'è quel problema anche per il cosiddetto Petrarca in quel manoscritto, perché se mi ricordo bene, dovrei consultare i miei appunti di 25 anni fa, ma se mi ricordo bene, molte postille, molte varianti citate, congetture che fossero citate dal cosiddetto Petrarca nell'Aleano, si trovano nel testo di quell'altro manoscritto, quel parigino 56-90. E c'è un'intera famiglia di codici che si vede già nel 300, che hanno le stesse lezioni. Dunque, andrebbero studiati anche altri codici per situare nella tradizione alcune di queste lezioni. Ho già parlato troppo, chiedo scusa. No, ma vorrei sentire il professor Lee su questo, per cui era una provocazione questo mio lavoro molto così, diciamo, protest, diciamo, però per questo ho voluto citare alla fine questo nucleo di codici attorno al codice di Valenza che presenta le stesse diciamo lezioni. Allora, è correzioni vere o no? Questo è vero che è il grosso problema. Poi anche sapere quando esattamente fa la corregge l'Arleano in rapporto con le redazioni, anche lì ci sono problemi di sapere quando abbia fatto, oppure se è, diciamo, disposta a all'unità. Ecco, io veramente il mio scopo era di rimettere questi problemi così belli ma difficili sul tavolo, sperando così di suscitare qualche... Però si vedono comunque così dei possibili rapporti con alcuni codici che presentano le stesse lezioni, diciamo, delle correzioni attribuite a Palla, poi nelle stampe, poi nei codici, insomma, però è tutto ancora questo mare magnum nel quale bisognerebbe essere parecchi. Sì, fondamentale che questa questione, per questo
presenti due sotto problemi. Primo, se queste correzioni arrivino alle stampe, queste correzioni del codice arriviamo 2493, non quelle della mano di Valle, di altre. Secondo, se questa mano sia quella di Petrarca. Però sono due questioni che possono essere tenute distinte, direi. Anche perché il fatto che non sia Petrarca, secondo noi, non vuole dire che non fosse Petrarca, secondo loro, dal momento che lo dice. E quindi una autorità. Vorrei aggiungere che vanno lette le emendazioni del Sintis Oblivium di Valle, perché alcune delle sue discussioni sono modelli di come fare la critica testuale. Comincia con lo spiegare perché non va il testo tramandato, poi propone una congettura e ci offre un passo parallelo al risultato suo, dunque un parallelo per la sua congettura, o tratto dallo stesso libro, o tratto da Cicerone o un altro autore del latino classico, autorevole. E poi spesso aggiunge un tentativo di spiegare il passaggio di questa lezione giusta, cioè la lezione congetturata da se stesso, il passaggio da quella lezione alla lezione corrotta. Non si può fare di più. Io volevo aggiungere che fa anche delle osservazioni paleografiche. Dice: ah, ma Palomita ha preso questa legatura e invece di tres ingenti ha letto res ingenti, perché non ha capito che questa era la... Dunque, è anche un spositorio burattese, è impressionante. Dunque, grazie ancora una volta di grazie. Could we please be back here at 4:30 alle 4:30. L'onore di presiedere a questa seconda sessione, come richiamato, una giornata affascinante. Approfitto dell'occasione per rimediare a una gaffe che mi sono permesso stamattina. Forse ricordate, avevo fatto una relazione anch'io, la Presidente Mariano Padre mi ha fatto il ringraziamento e io avrei dovuto subito passare, diciamo, 75% di questo ringraziamento a Natalia Agapino. Faccio i conti: 50% per il PowerPoint che lei ha fatto con una virtuosità senza pagina. Qui 25% minimo, perché lei durante questa cooperazione in 1000 punti mi ha corretto la coerenza logica dell'esposizione. Allora vi chiedo di fare un speciale applauso a Natalia. E andiamo adesso al solo, il primo relatore che ci parla sull'argomento dignità e comportamento, doveri dei principi, è Titus Heinreich, un abitué di questo congresso
internazionale. Do la parola al professore Heidelberg. E comincio con ringraziare cordialissimamente per questo ripetuto nuovo invito a questa settimana. Il 10 giugno di quest'anno, quando la Spagna, in presenza del principe Felipe, della sua consorte Letizia, segnò un gol piuttosto importante. Letizia, nomen et omen, l'ex giornalista, scattò in piedi, alzò le braccia, tutta giuliva e gridò. Felipe, invece, si alza anche lui, sta per scattare anche lui, ma poi si frena, si rigidisce, limitando la sua contentezza all'espressione di viso a un grande sorriso. L'importante era questo, si sente meglio adesso? Si alza anche lui, sta per scattare anche lui, ma poi si frena, si irrigidisce, limitando la sua contentezza a un grande sorriso sulla faccia. Come mai questo frenarsi, irrigidirsi del principe di Asturias, del futuro re di Spagna? La risposta la troviamo nel Cortigiano scritto 500 anni prima, in cui Castiglione raccomandava o fa raccomandare a un gruppo di nobili della corte di Urbino il governarsi, la dissimulazione, la sprezzatura, il componere tutta la vita e volersi delle sue breve qualità, il comporre, dare alla vita un nuovo ordine. Un secolo più tardi, Diego de Saavedra Fajardo, diplomatico in più di una corte europea, vorrà mettere in guardia contro il descomponersi, riferendosi peraltro all'ira che discompone i lineamenti, l'armonia e i lineamenti del viso. La sprezzatura, conforme alla dignità dei nobili e sottolineando, Castiglione, l'importanza non solo generale, etica di tale comportamento, ma anche il peso politico, il saper governarsi fisicamente come condizio sine qua non del governare altri, gli altri in un ducato, in uno stato. È di questo Jungtim di autodisciplina e buona politica e della continuità di questo postulato da Castiglione ai giorni nostri che vorrei brevemente trattare includendo esempi della già prima di Castiglione. Un critico, Bernd Rück, propone come esempio il ritratto del Doge Loredan di Giovanni Bellini del 1501-1505. Lo stesso critico suggerisce, per vari ritratti del primo Cinquecento, un'influenza diretta del cortigiano, purtroppo senza prove concrete, anche perché non basta ricordarsi la reciproca simpatia tra Castiglione e Raffaello negli anni ordinati di quest'ultimo. Comunque, gli esempi non mancherebbero per una concordanza tra gli ideali dell'uno e la pittura del 5, dal 500 in poi, Tiziano, Bronzino, Rubens, Velázquez, molti altri. Del Bronzino, ecco Guidobaldo della Rovere, futuro duca di Urbino, qui scelto perché dipinto negli anni marchigiani del Bronzino quando stava il Pesaro. Siamo nel 1532. 4 anni dopo la pubblicazione del Cortigiano. Ritratti come questi servivano agli scopi del potere, della politica. Da qui l'idealizzazione della persona ritratta.
Giampaolo Lomazzo, nel suo trattato dell'arte della pittura, 1584, chiederà al pittore, e cito, secondariamente l'imperatore soprattutto, siccome ogni re e principe vuol maestà ed aver un'aria e tanto grado conforme, sì che spirti lo stimulare ed anche nascondere le imperfezioni naturali con l'arte. Fine della citazione. Salta nell'occhio del tratto di Ronzino l'assenza di ogni volgarità, naturalmente, inclusa, e sembra banale, la correttezza delle vesti, dell'armatura nel caso nostro. Voglio, leggiamo il cortigiano, voglio che il nostro cortigiano in tutto l'abito sia pulito e delicato. Una raccomandazione che nel 1608 riprenderà François de Sales per la sua introduction à la vie dévote, tradotta in spagnolo nel 1634 da Francisco de Quevedo. Salta anche nell'occhio l'assenza di fierezza, di superbia, di intelligenza. Al contrario, per l'uomo armato leggiamo la pacatezza, lo sguardo attento, non fisso su chi contempla il quadro e con un certo distacco. Analoghe osservazioni possibile per Isabella di Portogallo, di Tiziano, del 1543. Isabella, consorte di Carlo V, e quindi un'imperatrice, y se nota, potremmo dire in spagnolo. L'espressione del viso, degli occhi assorti, il libro aperto potrebbe suggerire l'impressione di un'istantanea, se si trattasse di una fotografia. La donna colta in un momento di lettura è come se stesse riflettendo sul testo delle pagine. Dignità, governarsi, stare sopra di sé, componersi, dissimulazione, sprezzatura. Non pochi gli esempi, positivi e negativi, nella letteratura per illustrare il catalogo dei desiderata di Castiglione. Ci servirà più avanti la definizione di sprezzata disinvoltura, di una certa sprezzatura, scrive Castiglione, di nascondere l'arte, che nasconda l'arte e dimostri ciò che si fa e dice, in il fatto senza fatica e quasi senza pensarci. Condizio sine qua non di sprezzatura è la virtù, la capacità di stare sopra di sé, di agire e reagire a situazioni impreviste come se niente fosse. Ancora più diffusa e valorizzata la dissimulazione. Dissimulazione non nel senso